Une mère et sa fille, toutes deux victimes des 50 jours de guerre dans la bande de Gaza. Nahaya et Nour étaient chez elles avec leur famille lorsque leur maison a été frappée par une bombe israélienne. Cette mère et ses trois enfants ont été ensevelis dans les décombres. Je pouvais entendre les cris de mes enfants. « Maman, papa !» Mais je ne pouvais pas voir où ils étaient. J'entendais leur voix, mais je ne pouvais pas les voir. J'ai commencé à crier « Est-ce que vous m'entendez ?» Je pouvais les entendre, mais eux ne m'entendaient pas. J'ai commencé à dire « Cherchez mes enfants !» Et leur père est arrivé en courant. Il était avec nous, mais grâce à Dieu, rien ne lui est arrivé. Nour et ses frères se remettent peu à peu de leurs blessures. Mais avec plusieurs fractures du bassin, Nahaya pourrait ne plus jamais remarcher sans assistance. Cette semaine de guerre à Gaza ont fait plus de 2000 morts et 10 000 blessés. Selon des estimations, un dixième d'entre eux devrait souffrir d'un handicap permanent. Ahmed a été amputé il y a un mois après des bombardements israéliens qui ont entraîné la mort de 4 membres de sa famille. Alors qu'il commence la rééducation, les souvenirs de cette matinée le hantent encore. Nous étions nombreux. J'ai perdu connaissance dès que j'ai été frappé. J'ai été touché à la main, à la jambe et au torse. Il y avait des lambeaux de corps partout, des cadavres et des personnes qui avaient perdu leurs bras ou leurs jambes. Ahmed espère recevoir un bras artificiel ici, dans le seul centre de prothèses de Gaza. De la fabrication des membres artificiels au suivi des patients, l'équipe médicale fait tout son possible pour aider les Gazaouis handicapés. Mais après 8 ans de blocus imposés par Israël, les ressources financières sont très limitées. La municipalité de Gaza qui supervise le centre souffre de gros manques budgétaires. La plupart des habitants de la ville de Gaza n'ont pas les moyens de payer les services comme l'eau et les choses comme ça. Et cela fait 3 mois que les employés du centre n'ont pas été payés. Les 25 employés du centre prothétique ont accepté de continuer à travailler sans salaire pour aussi longtemps que possible. Après la dernière offensive israélienne, ils doivent se préparer à un afflux de nouveaux patients comme Ahmed. Il lui faudra du temps pour panser ses blessures, à la fois physiques et psychologiques, et du courage pour apprendre à vivre avec son handicap.